Elena a été éliminée, face à Pierre, lors des demi-finales de la Star Academy, le 27 janvier 2024. Émilie, la maman du candidat, a pris la parole au micro de Karima Charny. Que d'émotion, le samedi 27 janvier 2024, sur le plateau de la Star Academy 2023. La deuxième partie des demi-finales a été diffusée sur TF1 et le public a choisi. Si est-il finalement Pierre qui rejoint Julien en finale, laissant ainsi sa douce Elena sur le carreau. Fair play, cette dernière a accueilli la nouvelle avec le sourire. Elle a même eu le droit à un joli clin d'œil de la part de la maman de son concurrent, dont elle est si proche. Alors que le nom de Pierre venait de sortir de la bouche de Nikos Aliagas, Karima Charny est allée retrouver les parents du jeune candidat dans les tribunes réservées au public. Elle a tout d'abord demandé une réaction à chaud à son papa qui s'est exclamé « Mais oui, il est finaliste. Trop content, trop content. » Si est-il incroyable. Quant à Émilie, la maman de l'artiste, elle a tenu, tout de suite, à avoir un mot pour Elena. On est trop fiers, on est trop contents, a-t-elle expliqué à Karima Charny. Mais je voulais avoir un mot pour Elena parce que si est une très belle personne et elle a fait une très belle évolution tout au long de cette aventure. Décidément, les téléspectateurs ne pouvaient pas rêver mieux qu'un prime tournant autour de Pierre et Elena. Les rumeurs allant bon train quant à leurs éventuels sentiments. Elena et Pierre, des familles déjà conquises. Même Gims a joué le jeu, lors de l'émission du 27 janvier 2024. Alors qu'il chantait son titre « Est-ce que tu m'aimes ?», il a malicieusement pointé Elena du doigt en regardant Pierre avec insistance, modifiant ses paroles en « Est-ce que tu l'aimes ?», geste amusant qui provoquait un sourire très gêné chez le grand finaliste. Qu'importe la nature de leur relation, Elena et Pierre semblent d'ores et déjà bien intégrés dans la famille l'un de l'autre. Brigitte, la mère de la jeune fille, avait choisi de protéger la candidate alors qu'elle était questionnée à propos d'un éventuel couple au sein du château de Damary-les-Lys. Je ne préfère pas répondre à cette question car je déteste interférer dans la vie privée de ma fille, avait-elle précisé dans les colonnes du journal Sud Info. L'avenir nous en dira peut-être plus. Ou pas.